Coucou tout le monde, on est reparti sur une vidéo de Demolition Build 2018, un jeu de simulation dans lequel on détruit et construit des bâtiments. Aujourd'hui, je suis encore accompagné par XavCDB. Toujours là. Toujours là, toujours il répond à l'appel. Et du coup, là, on va démarrer, on va tenter de démarrer plutôt par une quête urgente qui est apparue sur la map. Donc on a 8 minutes pour la faire, j'espère que cette fois-ci, on a le matériel pour pouvoir réussir. Donc en avant. Moi, je réponds à l'appel et à la pioche. Voilà. Ça commence bien, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai oublié de marquer la map. Je crois que c'est juste devant nous. Ok, on y va. Je crois que c'est juste là. Je te fais une confiance aveugle. C'est l'urgence, Dan. Faut faire vite. On a le petit gyrophare qui tourne. Et je crois que je vois la... Ouais, je vois la barricade. Ok. Et fonce là. Ah non. non, j'y vais au frein à main. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, on a ce qu'il nous faut. Ah. Oula. Ok, donc ça c'est la quête. Les cailloux ils apparaissent quand on prend la quête. Il faut virer les cailloux de la zone. Avec le bulldozer par contre. Ah voilà. Ok, tiens, c'est toi le maître du bulldozer. Hein, donc je vais pas piquer ton véhicule. Ah oui, il est là. Ouais, okay, je voyais. Petit truc de parking. Alors je vais voir. Allez, c'est parti. Je vais voir si tu peux en pousser moi-même de la route. J'ai pas le chrono donc je sais pas. On a 8 minutes hein, donc on est peinard. Méfie-toi avec mon style. Allez. Oh là. Dégage. Je vais voir si tu peux aider avec ça. Oui d'accord, j'ai loupé le caillou. T'as la bouille un peu là chez moi mais. Hop là, c'est bon. Ok. Et deux sur 13. Je crois que j'ai fait une bêtise, tu peux me pousser. Qu'est-ce que t'as fait? Eh, bravo le coup de main. Je pensais... Merci, Dan, hein. Heureusement que t'es là. Je pensais pouvoir pousser le... les cailloux, mais en fait, non. C'est bon. Ok, ah bah je roule sur le caillou. La voiture qui me regarde. Ah, mais elle me bloque. Tu sais que avec moi au volant, c'est possible qu'on la gagne pas, celle-là. Hein. Sincèrement, hein, sans rire, hein, parce que là, je suis fou de drogue, là. Allez. C'est d'y croire. Celle-ci, elle est déjà en dehors de la route, hein. Tu dois les retirer de la route seulement. Oui, d'accord, c'est juste la route. Oui. Ok, donc il m'en reste. Il faut que tu baisses également le... Là, il est... Attends. Ah non, c'est clic... Attends, c'est clic droit pour baisser, d'accord, autant pour moi. Allez, je vais prendre le chemin le plus long. Dégage. Il en reste 8. 7, voilà, hein, avec, 7. Avec les voitures qui me regardent, là, c'est... T'as le stress? Un peu, là. Par contre, j'espère qu'ils vont la compter comme sortie de la route, celui-là, là, celui qui est sur la route, mais coincé par la bagnole. Je crois pas. Spécialiste, là, qui parle. Ok, il y en a 3, il en reste un, là. Ouais. J'aime bien, tu me les montres avec le doigt, tu sais. Allez, hop. Il en reste 2. Par contre, j'en ai vu qu'une. Ouais. Un peu. Oula. T'as oublié mon dessus, là. Voilà. Moi, j'en vois qu'une. J'ai pris la voiture, j'ai tout pris. Ouais. Vas-y, fais-la tomber. Ah ça m'a compté 16. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, ça me dit 15, là. 15, pardon, oui. La panique est totale dans le camp du joueur français. Allez, toi, je vais dégager la voiture parce qu'elle me saoule. Allez, je peux pas. Tu peux la laisser là. Essaye de bouger celles qui sont là. Ah, tu penses que c'est fini là pour la roche que j'ai bougée? Ouais, c'est fini. Tu l'as sorti là. Peut-être bouge une petite là qui est sur le bord. Genre elle. Là, tu l'as remis sur la. Ouais, c'est une technique. Ah, c'est bon, voilà, tu as réussi. Oh, puis rester. Effectivement, hein. Tu m'avais dit que ça serait chaud, je te crois maintenant. Ah, mais et j'en ai des sueurs, tu t'imagines même pas. Eh, c'est pas une raison pour m'écraser non plus, dis non. Ouh, par contre, t'as vu combien ça nous paye? Ah oui. 5000. Bah, pas mal. Alors, du coup, maintenant qu'on a un petit peu de pactole grâce à la mission d'urgence, on va acheter le robot commandé. Éventuellement, on va même pouvoir d'ailleurs recruter des gens qui vont bosser pour nous. Mais là, on y va avec le petit robot de destruction. On accepte. Alors,
De mettre une petite. Corriger juste une petite pause. Tu dis l'argent qu'on a gagné, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai dépassé tous les cailloux. Ah, Hein, le temps que voilà. j'ai passé à te regarder compte pour moi comme un investissement, parce que C'est comme, vu comment t'as galéré. vrai que ça a fait pleurer les yeux. Bon. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin pour le robot, on n'a pas besoin de. Permis? Ouais. Eh, mais je sais qu'il y a un tuto Ah, qui ah, s'ouvre. ah non, non, vous avez besoin d'une licence, ok, j'ai rien dit. Ah ouais. Hop, bah cette fois-ci je vais la faire. C'est pour rien de bien Ok. compliqué. Ouais, bah je vais pouvoir commenter un petit peu. Hop. Oh là! On dirait que tellement tu vas tuer quelqu'un. Ouh, t'as Pas eu chaud moi. là, t'as eu chaud. Ouais, non, non. Ça fait Alors. un bruit de tous les enfers, hein. Oh là là, le petit parcours là. Ça sent le fail à plein nez là. Bah attends, qui tu crois Ah qui ouais, produit non? là? Hop là! Ouais, franchement, qu'est-ce qui se passe là? Pas normal. Hop! On y va, regarde ça! Ouais, non, non, c'est. Toi, t'as téléchargé un truc de cheat, c'est pas possible. Ah, faut bien que je me rappelle. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Oui. Je suis perché. Ah, c'est impressionnant. Ah. On a laissé un peu, mais. Elle remonte plus. Alors après, il y a quoi comme autre commande? Ah oui, voilà, comme ça. Bon bah clairement t'as trouvé ta vocation là sur ce coup-là parce que t'es impressionné. Hein. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à faire mieux. Super. Après, il y avait un doute que tu pouvais faire mieux. Ah, Après ce que tu nous as montré. Alors, ah oui, écoute. ok, alors il faut modifier le robot. Ça, je me rappelle, aller dans l'onglet véhicule, prendre le robot et prendre le lift et l'équiper. Voilà. Ah, bah tiens, t'es sûr, on va voir ce que ça va faire. Allez, entre les jambes. Méfie-toi de ce que tu prends. Hein. Oh là! comment je lâche? Comme ça. Ok. Parfait. C'est Oh, espace super. pour choper les trucs avec. Ok, bah impressionnant. Ah, et bah du coup là on a débloqué des nouveaux jobs que l'on peut prendre. Alors, on a choisi un nouveau job où on va avoir besoin du petit robot. Ouh, beau virage. Beau virage. Ouais, t'as vu. Ouais. On arrive. J'allais. Ouais, bien sûr, on se croûte. Hop. contre le panneau. Alors, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'accord, le conseil de la ville nous a décidé de retirer cette vieille station de gaz inutilisée. On cherche une compagnie qui peut démolir les structures en béton et les bâtiments en bois. Ok. Ah Bon, oui, c'est pas ça. on a qu'à t'envoyer dedans et te dire d'éviter tout et tout va tomber, C'est ça. ça. Conduis tout droit, c'est bon, c'est fini. Alors, à mon avis, on va devoir arroser déjà. Bah, vas-y, commence à péter, ouais. Les tables, les palettes. Oh, il y a des bidons rouges. Je sais pas s'ils explosent, mais c'est tentant. Il va nous tuer. Ah, les chaises, ça va dans les poubelles, ok. Je suppose. Pas facile parce qu'il faut pas se cogner dans l'embrasement de la porte là. Oh, Hop. ouais. On a apparemment les mains sensibles, dès qu'on touche quelque chose, on perd ce qu'on a en main. Ouais, j'avoue, on est fort mais pas trop. Il y a d'autres trucs à mettre à la poubelle. Ah, les containers, ça va dans la poubelle, ok. Voilà, j'espérais un peu qu'ils explosent, ça aurait été marrant, mais. Ok, 7 sur 7, retirer les câbles électriques. Il y en a 9? Ah. Là-dedans? Alors j'ai pas fait la vision d'aigle là. Ok, il y en a encore Dehors, 5. extérieur là. Ah, sur les poteaux.
Il en reste un. Ah, il est dedans encore. Je l'ai raté. Voilà. Péter le sol, enfin le... Là, le machin dont on marche, le trottoir, péter les poteaux et péter la vieille station de gaz. Ok. Alors tu veux quel job toi? Oh, tout me... Bah non, bah, clairement moi il me faut le... C'est toi le spécialiste du robot. Ah oui, c'est vrai, toi t'as le bulldozer, moi j'ai le robot, ok. Ouais, franchement je pense qu'on est au top du point de vue de nos skills respectifs. Alors, il faut juste que je trouve le panneau pour... Je vois pas le panneau pour appeler le bulldozer. Ah. Si tu le vois. Ils ont toujours pas réglé de la démo le fait que quand on se rapproche d'un bâtiment en ayant le tuyau d'eau, eh bien on lâche le tuyau d'eau à chaque fois. Tu vois, les gars, oui. Ouais, ça c'est vraiment embêtant. Alors le panneau. Là. Ici, là, tu vois, devant. Alors, je t'appelle le bulldozer. Et je t'appelle le robot de démolition. Parfait. Même pas où t'es. Je suis passé à côté de toi il y a 10 secondes. Là, ici. Derrière toi. Où ça? Ah, là-bas. Bah ouais, mais j'osais pas aller jusque là-bas. Je me disais que c'était trop loin. Il est là. Ouais, je vois. Bah, je pensais qu'il y en aurait un dans le truc. Mais... Quand tu me l'as appelé là déjà. Ouais. Il est censé dans le coin, maintenant il faut que je trouve mon bulldozer. Ah, il est là. Oh là, hey, attention là. Estropié directement. Non, je vais lui casser la figure avec mon gros bulldozer. Ah, c'est vrai, je me disais c'était qui le gars là, mais c'est moi, d'accord. Oh purée. Hey, t'as voulu te faire du mal, c'est ça, en croyant que c'était moi? Non, mais je comprenais pas qui c'était. Je me disais, mais Xav vient de passer à côté de moi, donc pourquoi est-ce qu'il y a un gars qui est là, mais. Ah là là. Voilà, excusez-moi, hein. Je me suis senti obligé. Tu voulais faire machine contre machine, c'est ça? Ouais, un petit combat des titans un peu là. Aïe. Ah, c'est assez agréable hein, de bousiller tout ça là tranquillement. Ouais, je me doute. Ah, ça va être la misère de virer le trottoir. Ah, je me suis coincé. Allez, mais pousse-toi. Oh, je me suis coincé comme un asticot là. Ça y est. Voilà. À chaque fois, j'ai le toit qui touche un tout petit peu. Ouais, ouais. T'entends en train de faire un carnage. Ah là, je suis en train de... Oh purée, le nombre de trucs de sites de dollars qui sont apparus quand t'as pété le reste. Ah ouais, puis là, la poussière aussi qui a augmenté de fou. Hein. Ouais. Après, c'était pas mon boulot d'arroser, donc je vais pas... Ah, enfin, bon. J'ai tout arrosé. Hein. Ah, le pauvre trottoir. Ouais, j'avoue, là, tu... Refais un passage sur l'endroit là avec le bulldozer. Ouais, j'ai essayé, mais en fait j'étais coincé avec un panneau. Bulldozer résistait pas à un petit panneau. Là, ah non, je veux dire, refais un passage sur le trottoir plutôt pour voir si tu peux casser des. Ah, sur le trottoir, pardon. Ah ouais. On va voir. Avec le... Non, ça fait rien. J'ai pas l'impression. Est-ce que mon truc est baissé? Je vois pas. Non, bien. Non. C'est... Ah là, ça va être bon là. Ok. Comment tu m'as viré, mon gars? Ouais, j'avoue. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon. D'accord, on se parle, là. Alors, j'ai réussi à tout éviter. C'est toi, espèce de truc microbique, là. Ah, bah, ok. Là, je crois que c'est bon, là, c'est bon. Ok. Bah, on a eu une belle petite...
Belle petite prime, 2400 sur un job à 1600 quand même. Ce qui est pas dégueu du tout. Oh oui. On a perdu 64$ pour la poussière. Ouais. Et voilà. C'est pas de ma faute. Voilà. Un passage au McDo avec. Ouais, on va 3-4 menus. Alors, avec l'argent du dernier job, on va maintenant pouvoir acheter l'excavatrice. Donc, combien elle nous coûte? On est à 9000 et elle est à 7500. On va l'acheter. Donc, elle a probablement différents types de pelles, hein, comme le robot. Et alors, surprise, qui va passer le permis? Allez, c'est parti pour la grosse blague. Alors hop, je te laisse. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. Ok, le petit Xav arrive. Le bordel. Il a déjà cogné le bulldozer. Regardez, parce que on est d'accord que je fais ça complètement à l'aveugle. Hein. Je sais pas quelles sont les touches. Ah, tu appuies sur H pour voir les touches. Attends. Oula, oula. Très bien. Google Mode. Rien. Ça a pas l'air compliqué hein, le permis là, donc tu devrais t'en sortir. Alors méfie-toi. Et pourquoi je peux plus avancer? Bah t'as appuyé sur Tab, non? Tab pour passer d'un mode à l'autre. Ah ouais, c'est ça, bien joué. Bon là je vais avancer comme un crabe. Alors démolish the brick. Ok, brick walls. Ah, tu vas devoir changer l'outil que t'as installé sur l'excavatrice. Donc tu fais échappe. Pour l'instant, j'ai aucun outil. Ouais, tu dois faire échappe. Aller dans. Alors oui, échappe. Attends, parce que le truc, c'est qu'une fois qu'il avance, le machin, il avance. Hein. Ouais. Échappe, alors, échappe, véhicule, tu sélectionnes l'excavatrice. Ouais. Et tu choisis le bon type de. C'est ça. Alors, il y a plein de. Effectivement. Alors, ça. On va prendre ça. On va équiper ça, on va voir ce que ça donne avec ça déjà. Tu vois ce que j'ai mis ou pas? Ouais, je l'ai vu, ouais. Alors, ah non, mais quand il accélère en fait. T'as curieux de savoir si ça fait pareil chez toi. Mais quand il accélère le machin. Oh bon sang. Trop court. Utilise également A et E pour... Écoute. C'est prévu comme ça. Ok, c'est parti. Alors, là, on va... Allez, c'est hardcore. Je pense que... Allez, on va baisser ça. C'est gauche-droite, ça, je sais. Ce qui se passe, c'est une souffrance. Alors attends, ok. Je sais pas comment baisser ça proprement. T'as A et E pour faire monter une partie du bras, et après c'est la souris, je crois, non? Ouais, mais c'est pas si évident parce que quand je. Tu vois, là je monte, ok. La souris elle actionne que ça, d'accord. Et je cherche le bouton pour actionner, tu vois, le. Ah bah je suis. Je vais essayer. Vas-y, essaye, ouais, parce que là j'étais en PLS. Là. Ouais. Ah, c'est ce bras là que je cherchais, c'est quelle touche? Bah, c'est les Z QSD. Ah, bah, j'y arrivais pas, pourtant j'ai bourriné. Oh là là. Regarde ça. Et je. Ah, là je suis obligé de reconnaître une certaine situation. Là je peux pas trop, ouais, bon. Alors regarde ça. Alors bon, j'ai un peu de mal également, mais bon. Non, ouais, bon. Disons que je t'ai bien chauffé la place, parce que là, voilà. Tu passes pour un héros. C'est comme les gars qui commencent à vouloir ouvrir une bouteille et qui, en gros, hein, il dit... Allez, bon, écoute, je te laisse faire, parce que je sais pas trop. Ah oui. Et là, on est... Okay. Oula. En plus, il nous fait des cascades. C'est exprès. Bien sûr. Ok, bah on est bon. Bah maintenant, plus qu'à utiliser à faire le bois.
Alors moi j'ai un... Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a du lag, mais quand j'avance, mon truc continue à avancer pendant une seconde, et ça m'a fait poser problème. Ah ouais, non, moi j'ai pas ça, moi. Donc c'est pas la faute de Xav, les gens, c'est la faute du lag. Non, jamais. Ça c'est un truc qu'il faut que vous reteniez. Ah, je peux pas avancer. La game est montée dessus. Attends, bouge, baisse le truc pour voir. Eh, hey, vas-y quand tu montes. Eh, hey, hey. Chez moi, t'es tombé. Ah bah ça y est là, ouais. Ah, vas-y, je te gêne plus parce que... sens bien que je gêne. Non, mais quand t'es dessus, mon bras, il a pas de problème, hein, tu le bloques pas. Bah finalement, tu vois, je pensais que ça serait le plus simple, et en fait, il est plus compliqué que les autres. Ouais. Peut-être plus d'articulation, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, ouais. Oups là. Il en reste un autre, ok. Ici, là. Oups là. Ok. Je t'ai mis en donnant des coups de marteau. Ah, ça va, dis donc, tranquille. T'as vu que t'as un... Ouais, ouais, là. Je dénoncerai pas parce que j'ai été ridicule 2 minutes avant, mais quand même, hein. Et on a fini, purée. Oh, c'était le plus complexe, là. Bon, peut-être que je vais prendre le contrôle de l'excavatrice pour... Alors, apparemment, Xav a réussi enfin à maîtriser la machine. Ah ouais, je me suis entraîné pendant des heures, là. Et voilà, et donc du coup, bah, on est prêt à passer à la suite. Donc bah, là, notre job va être la maison abandonnée. Là, on a besoin de l'excavateur avec l'excavatrice avec deux... Avec le grapple bucket. Est-ce qu'on l'a, celui-là, d'ailleurs, l'attachement-là? On va regarder... Je crois qu'il faut l'acheter. Non, on l'a, c'est le bucket standard qu'il nous faut acheter. Ok, on a le bon. Ok, bah c'est bon, bah on y va. Alors, tac. C'est apparemment probablement là. Et on va pas pouvoir y aller en taxi, on va devoir y aller avec notre bagnole. Bagnole qui n'est pas là, puisqu'on est venu en taxi. Ouais, il y a devant là. Ok. Comment je te trace à la course? Où est-elle? Elle s'est fait livrer. Tu la vois là-bas? Ah, elle est là. Okay, elle... Oh purée, où est-ce qu'il l'a garé, le gars? Ok. Pas moi qui l'ai garé, hein. T'es dedans, en avant. C'est parti. Alors, c'est à 1 km. Bon, on va pouvoir les faire tranquille. Oui. Et il faudra qu'on songe à acheter des maisons, hein. Oui, c'est vrai. C'est une partie du gameplay qu'on n'a pas encore... Encore poussé. Bon, on peut regarder pour notre prochain achat, donc on économise un peu et... On peut se lancer dans ça. Parce que là, jusqu'à présent, dès qu'on a des sous, directement, on claque tout. Hein. Et d'ailleurs, au passage, je vois qu'on va bientôt devoir faire le plein de la bagnole. On est à, je sais pas si tu le vois, on est à 35%, là, à peu près 40%. Ouais. Alors, ah c'est à droite. Oh, il suffit de 3000 pour acheter une maison en bois. Ah ouais, 3000, oh, ça va. Oh là là, attention, problème de circulation. Comment va-t-il résoudre ça? Le gars, il arrête pas de freiner en pleine montée, quoi. Il a peur de tomber en arrière. Ou... Les gens qui font ça, c'est insupportable. Ouais. Allez. Ah, je me rappelle de ça. Ok. On a le droit d'utiliser 2 charges explosives pour celui-là. Ah, là, tu me parles. Ouais, mais on en a qu'une. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Péter les murs à l'intérieur et jeter les déchets dans les containers. Alors, attention à ça. Je sais pas si on peut le virer, ça endommage les roues du tracteur, pas du... la pelleteuse. Alors les déchets, c'est là-dedans. Hop. Bien sûr, ils auraient pas pu mettre la porte juste devant la poubelle. Ah, je te l'ai repiqué, non? Ouais, tu me l'as repiqué. Rien dans les mains. Y a rien d'autre? Ils doivent être à l'extérieur, les autres. Je vais mettre la vision. Ah oui, les pneus, ça compte, je crois. Ah oui. Ouais, les pneus comptent. Il en reste un. Ah, il est tombé en dehors. Il est tombé, ou alors il était juste là depuis le départ. Ok. Ah non, il était considéré dedans, même s'il était à l'extérieur, d'accord.
c'est pareil, je vais chercher le. Je cherche l'endroit où. Ah, là-bas, pour appeler le véhicule. Mais comment ça a l'air amené? Je mets le dernier truc à la poubelle. On a besoin juste du bulldozer et de l'excavatrice, c'est ça? Ouais. C'est la belle teuse, quoi, non? Les deux, écoute. Ouais. Ah, alors il y a des murs à péter dedans. Pour les murs, bah tiens, on va utiliser un explosif. Tiens, on va y aller. Explosif, c'est quoi? Ah, c'est celui-là. Alors je vais te mettre. Ah, elle est en hauteur, on peut pas péter. D'accord. Ah, on peut pas péter. Ah oui, on peut pas péter là les murs avant la partie, la deuxième partie, ok. Avec les explosifs. Okay. Ah, j'essaie de monter, pourquoi il veut pas? Ah tiens, tu sais, le marteau piqueur ne pète pas les murs, ça ne pète que le recouvrement en je sais pas quel matériel qu'il y a dessus. Ok. Pour l'instant, je t'entends tout casser à l'intérieur, mais j'arrive pas à rentrer. Avec quoi? Je suis à pied avec mes petits petons. Ah, à passer le petit muret. Quel muret? Il y a une... Enfin, la marche, quoi. T'arrives pas à monter là? Non. Ça là? Ouais. Écoute, tu m'as fatigué. Ah, ça y est, c'est bon. C'est grave. On va dire que t'es fatigué, c'est la fatigue. Oui, bah bien sûr. Allez. Dégage. Alors, je vais maintenant voir si le marteau piqueur va pas me permettre de virer les déchets. Non, ouais, le marteau piqueur, il a aucun effet sur les briques. Ah mince, je me suis trompé. Alors, comment on fait pour sortir du... Je suppose échappe. Non. Exit F, ok, c'est bon. J'étais dans le robot... Ouais, j'ai vu, t'avais la commande en main. Ok, bon bah là c'est bon, on a pas vraiment besoin de les péter, je me dis on va les péter avec le bulldozer. Donc là il faut péter... Ok, ça... Le bulldozer il peut pas monter, hein. Il peut pas monter la marche que moi tout à l'heure je pouvais pas monter. Ah ok, bah on va le faire à la main. Par les barrières si tu veux. Ouais, et par contre je vais appeler... La pelleteuse, on va l'appeler, l'invoquer. Ok. Patrice, normalement tout est déjà là. Hein. Oh purée, ok, je me suis cassé, je me suis percé une roue, oh purée. Bah oui, oui, bravo. Alors, on va réparer. Cette partie-là aussi. Je sais pas comment ça fonctionne. Oh, waouh. Ah, ok, il faut que ça se rend... Les pneus qui ont été crevés doivent être remplacés en payant. Effectivement. Ah. Ça coûte 200 par pneu, donc faut faire gaffe. Et là, t'en as déjà crevé ou pas? J'en ai crevé un, ouais. Super. Bien, bien joué, Dan. T'as bravo. Alors, t'es dans la baraque pour que je vienne te... Non, je suis en train de casser les barrières autour. D'accord, zut. Non, j'ai senti le coup venir. Ah ouais, là, tu fais un carnage. Ouais. Ah purée, je me suis coincé, je crois. Non, c'est bon. Est-ce qu'on peut détruire ce truc-là? Ouh, ok, il y a des casques qu'il faut pas casser. En fait, il y a deux maisons. Il y en a deux, ouais. Alors, j'espère que je casse la bonne. Du coup, moi aussi. Et bon, au pire, les gens, ils se plaindront, hein, mais... Et je crois qu'on peut péter le sol, également. Carnage. Allez, boum! Elle tient, je sais pas comment, la maison là. Laquelle? La deuxième là? Ou... La mienne, ouais. La mienne, elle tient. C'est un mystère là. Ah. Vraiment ce qui s'appelle un mur porteur quoi, mais un seul. Hack! Et bah voilà! Je pense que là, il y a moyen d'avoir une sacrée prime, hein. Je pense pas trop parce que j'ai crevé un pneu et j'ai cassé oui, non, une caisse qu'il fallait pas. Oh là là, le boulet.
Heureusement qu'il y a des gens sérieux comme moi quand même. Et je me suis coincé. Non, tu t'es coincé. Je vais essayer une technique pour me repousser. Allez, allez. Tu veux que je vienne Ah, pour donner un coup de main, ouais, je dirais pas non là. Attends, peut-être j'ai une idée. De là. Ah, j'arrive à pleine vitesse. Ah non. On te met là. Arrêtez par une pause. On y va. Allez. Le temps que t'arrives, je vais être bon. Non, mais là, tu m'empêches. Tu pousses du mauvais côté. Ok. Ouais, c'était trop tentant. Moi, je savais que t'allais te débloquer tout seul dans le monde. Alors, hop. Bah, du coup, il y aura des réparations à faire. Hein. Ouais. Faut péter les poteaux. T'as vu les petits poteaux là? Ouais. Il me suit, fait. Ah bah écoute, je t'incite. Vas-y, vas-y. Allez, mon champion. Ah, c'est ces caisses là qu'il faut pas péter? Ouais. Bah non, je suis passé à côté, j'ai eu un coup de chance. On n'aura pas utilisé les explosifs du coup. Ouais. Ah oui, d'accord, je vois le piège. Ouais, hop là. Tac. Ah bah, c'est voilà, bon. C'est parfait. Alors, regardons notre prime, 1200, ouais, tu vois. Au moins, on a économisé sur les... Alors, un autre job de fait, plus ou moins bien, et on est appelé par notre collègue. Et il nous dit, en gros, si ma femme t'appelle, dis-lui que j'ai passé la nuit chez toi. Ok, bon, d'accord, très professionnel l'appel. Ouais. Alors là, on va faire un achat d'un bâtiment. On va acheter le parking, et il va falloir y aller. Le parking, il est ici, apparemment. Donc c'est... Oh purée, il y a de la distance à faire. Alors on va se téléporter, je pense que ça va être plus rapide. Surtout vu ton style de conduite. Ouais, surtout, oui. Alors sors de la bagnole et on est parti. Je sais pas si tu vois le point que j'ai marqué. Alors, je le... Pas pour l'instant, attends, tac, minimap. Là où je suis sur la minimap. Voilà, ah, je me demandais si t'allais trouver. Ok, parfait. Ouais, ouais, quand même, je suis capable de... Eh, hey, tu pars sans moi, là. Ça y est. Bon. Du coup, on va au parking, on va l'acheter, et on va voir si on y a besoin qu'on bosse de... Ah, voilà. Ok, on va se carrer là. Oh, joli. Or là, RP, là. Et le parking est là. On l'achète. Ouais. Parfait. Bah tiens, on peut effectivement engager quelqu'un peut-être pour faire les travaux pour le parking plutôt qu'avoir à les faire nous-mêmes. Oui, on va... Bah tiens. Alors, on va... Hop. Regardez. Employé. On en a deux gars qui n'ont qu'une étoile. Alors, tu préfères Harold ou John? Attends, je vais faire un entretien d'embauche assez poussé. Plouf, plouf, ce sera John. Ce sera John. Ok. Alors, John, tu nous rejoins. Et... On va lui donner le job. Hop. Oh, alors, non seulement on lui paye $500 pour son salaire, mais on doit le payer également pour faire le job là. Ok. Ah ouais? Ouais, apparemment, $200 en plus, donc ouais. Et du coup, il fait le job et il reste 5 minutes pour qu'il termine. Donc ça va pas être nous qui allons faire cela, mais alors dans l'épisode suivant, le thème va être la mine d'or. Donc non seulement on va devoir acheter des nouveaux véhicules pour faire fonctionner, mais également bah, on va acheter le terrain de la mine et on va commencer à extraire les pépettes dorées. Voilà. Ça. Voilà. Ça va être épique encore. Voilà, donc merci à vous et puis je vous dis bah, à bientôt, c'est un autre épisode. Ciao.